Les employés du Grand Moulin d'Abidjan envisagent d'entamer une grève dès le 27 avril 2022 pour exiger de meilleures conditions de vie et de travail. La situation est toujours tendue au Grand Moulin d'Abidjan, GMA, où les employés veulent entamer une grève de 5 jours à compter du mercredi 27 avril 2022, a confié le syndicat des travailleurs des GMA, SYTGMA, à l'Infodrome ce 20 avril 2022. À en croire ce syndicat dirigé par DGB Patrick Raymond Lucien, les employés du GMA ont pris le temps d'informer leur hiérarchie des problèmes qu'ils vivent et aucune solution n'a été trouvée. Voici les motifs de la grève. Les responsables de cet arrêt de travail ont décidé de manifester leur mécontentement au regard de la situation financière précaire des travailleurs des GMA, à la violation flagrante de la législation ivoirienne par l'administration des GMA, la rupture de dialogue entre la direction des GMA et les travailleurs, et l'incapacité des GMA à produire une grille salariale aux travailleurs et la suppression ou la modification de plusieurs acquis des travailleurs des GMA et en particulier des CARPLAN. La revalorisation de l'indemnité de logement, l'instauration d'une prime spéciale de transport de nuit, nous observerons un arrêt de travail sur les sites de GMA Abidjan et GMA San Pedro pour une durée de 5,05 jours à compter du mercredi 27 avril 2022 des 00h00. Nos points de réclamations et revendications sont l'application abusive des 44 heures hebdomadaires, la revalorisation de l'indemnité de logement, l'instauration d'une prime spéciale de transport de nuit, la dotation d'un service de santé de nuit. Lire aussi Côte d'Ivoire, la grève des techniciens agronomes n'aura pas lieu. Nous voulons aussi l'instauration d'une grille salariale avec un salaire minima catégoriel de 300 000 FCFA et surtout la révision de la durée des CARPLAN à 3 ans comme initialement, lit-on sur le préavis de grève déposé sur la table des dirigeants des Grands Moulins d'Abidjan. Attention à la pénurie de farine et la hausse du coût de la baguette de pain. Le syndicat des travailleurs des GMA, SYTGMA, soutient être ouvert pour participer aux éventuelles négociations pour trouver des solutions à cette situation, qui aura vraisemblablement des répercussions sur le coût du pain. Nous privilégierons les négociations pendant la grève avec le PDG Greg Stowe ou tout autre membre du conseil d'administration de Seaboard en vue d'obtenir rapidement des points d'accord sur nos différentes réclamations et revendications, a clamé le SYTGMA. Les autorités compétentes sont priées de prendre ce dossier à bras le corps pour trouver une solution qui satisfasse chaque partie.